je m'appelle Hajar Greghi et je suis étudiante en troisième année en sciences politiques et en relations internationales ici à l'Université internationale de Rabat. Alors, pourquoi Sciences Po? Tout d'abord parce que c'est une filière multidisciplinaire et ça nous permet d'avoir accès à énormément de disciplines, ce qui nous permet de voir le monde à partir d'un nouvel angle et en même temps ça nous permet de construire un esprit critique favorable à la discussion, au débat et à la compréhension du monde et à l'appréhension critique de celui-ci, mais également à construire une personnalité rigoureuse, forte et à faire de nous un décideur de demain qui saura prendre les bonnes décisions pour notre pays, mais également dans le cadre d'une direction de projet, que ce soit dans le cadre culturel, politique ou sociétal en général. Avant d'intégrer Sciences Po, il est d'abord indispensable d'avoir un esprit curieux, de ne pas avoir peur de prendre la parole en public et de débattre sur une opinion que tu veux défendre, et également savoir structurer tes idées parce qu'il est indispensable de pouvoir le faire à l'oral tout comme à l'écrit. Mais même si un bachelier ne maîtrise pas forcément ses skills, les trois années de Sciences Po sont là pour t'apprendre à affûter ton esprit critique, affûter tes skills en rédaction et également ta prestance à l'oral. Donc n'hésite pas à intégrer Sciences Po et tu sauras devenir un décideur de demain. Avant d'intégrer Sciences Po, on a l'impression et on a des préjugés concernant le type de métier qu'un étudiant en sciences politiques ou un futur profil de Sciences Po pourrait exercer. On a l'impression que l'étudiant sera cantonné à exercer un métier qui sera relatif à Sciences Po ou bien à la politique en général. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Sciences Po aide à créer un profil qui peut s'adapter à n'importe quel type de métier, que ce soit par exemple dans les relations internationales, travailler en tant que diplomate, être représentant d'un organisme international, d'une ONG, ou bien dans les domaines qui ont un rapport avec les sciences politiques, dans un organisme public, dans la fonction publique par exemple, ou également dans tous les métiers qui ont un rapport avec les entreprises de business, de marketing, de finance. Donc vous avez là un large éventail de choix de métiers que Sciences Po permet d'accéder à travers des skills adaptés.